Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation du nouveau magazine Daphné Diaries que je vous avais déjà présenté il y a un mois. Donc ça, c'est le tout nouveau magazine que je viens de recevoir à l'instant dans ma boîte aux lettres. Et du coup, pour tout abonnement annuel, vous allez recevoir un autre magazine gratuitement, ainsi qu'un lot de serviettes comme ceci d'une valeur de, je crois que c'est vers les 39 euros, 37, 39 euros. Une valeur de, enfin, un lot de trois serviettes comme ceci. Je sais pas si vous allez bien voir, elles sont gaufrées. Et on a différentes tailles. J'ai été regarder sur le site, elles sont en vente à l'unité. Enfin, à l'unité, le lot de trois, hein, bien sûr. Vous voyez, alors je vais vous montrer. C'est un petit peu gaufré comme ceci. Alors, c'est fabriqué 100% coton. Fabriqué en Turquie, à 30, lavage à 30 degrés. Et vous voyez, ça fait, enfin ouais, ça fait des serviettes d'invité, des petites serviettes de bain comme ceci. Plutôt sympa. Donc voilà, pour tous nouveaux abonnés, annuellement, vous allez les recevoir ces petites serviettes. Alors, je ne sais pas s'il y a les dimensions. Alors, il y en a une de 35 par 60, une de 50 par 85 et l'autre de 80 par 165 cm. Celle-ci, elle vaut le coup. Donc voilà, eh ben on est dans le bain, c'est les vacances, vous voyez, il y a les petits personnages face à la mer, toujours en aquarelle, toujours super joli. Je vous avais déjà montré, c'est vrai que ce magazine est vraiment super bien. Donc là, c'est le numéro 5 qui vient tout juste de sortir. Et donc, on a toujours un petit mot de Daphné, donc qui crée ce magazine. Alors, on va le feuilleter ensemble, hein. Tant pis, je vais spoiler pour les personnes qui ne l'auront pas encore reçu et qui sont abonnées. Mais voilà, je vous donne aussi l'idée de vous abonner si vous souhaitez à votre tour recevoir ce magazine dans votre boîte aux lettres et ne plus avoir à vous déplacer chez votre marchand de journaux pour essayer de le trouver. Donc voilà, donc là on a tous les thèmes, hein, avec toutes les pages de ce qu'on veut regarder. Je vois qu'il y a des petites étiquettes de valise ici. Donc voilà, l'été dans les jardins de Powerscourt. Alors d'après ce que j'ai vu. Je crois que c'est en Irlande, mais je ne suis pas sûre de moi. Ouais, c'est ça. C'est en Irlande. Donc voilà, on a les photos des jardins. Vous voyez, là, on a des petites aquarelles, comme je vous dis, pour s'entraîner à faire de l'aquarelle. C'est sympa comme tout ce magazine. Alors, notamment, on a voilà, des paysages avec des choses à lire, mais on a aussi des petites illustrations que nous, on pourra reproduire dans nos créations. Je trouve ça vraiment bien. Donc voilà, jardin italien à Dublin. Ici, on a le célèbre tableau de la laitière. Enfin, moi, je dis la laitière de Vermeer. Et là, on a le jeu des différences. Saurez-vous reconnaître lequel est le bon? Donc voilà, là, c'est encore une petite histoire de Daphné. Ici, on a des choses à faire avec des papiers. Les animaux en papier de Sarah Suplina. Donc voilà, elle explique comment elle fait ses petits animaux. Ici, on a les insectes. On a un petit poème. Petits étals avec des glaces, des fruits, des légumes et des fleurs. Donc là, on a pour fabriquer des petites boutiques, hein, des petits étals. Vous voyez, vous n'avez qu'à découper et à former. Ici, on a le petit fleuriste avec le petit garçon qui offre des fleurs avec les petites fraises autour. C'est sympa pour faire des petites vitrines. Ça peut donner des idées aussi. Ma mère prépare du. Les vacances ont commencé, j'ai très envie de partir. Moucheron, mal des transports, arrosage des plantes. Donc, ils expliquent un petit peu qu'est-ce qu'il faut préparer avant le départ en vacances. Agriturismo, donc ça, moi, j'ai déjà fait en Italie. Vacances à la ferme en Italie. En fait, c'est les gens qui font leur propre nourriture et ça fait un petit peu. Vous pouvez aller manger là-bas. Enfin, c'est vraiment super. Donc, là, ils expliquent un peu. C'est l'agritourisme, je ne sais pas comment on dit, local. Enfin voilà, c'est vraiment super. Donc vous vivez vraiment avec les habitants et vous faites au gré des choses. Et je trouve que c'est super bien. Donc là, ils expliquent. Donc là, ils disent où sortir, que boire. Mais franchement, ça donne envie d'être en vacances, hein. Bougies et tempêtes. Donc ici, comment fabriquer un petit pot avec de la ficelle, quelques bougies. Un petit pot ici. Vous voyez, une petite lampe tempête, on va dire. Où se trouvent Daphné et Pierre? Donc là, c'est un petit jeu de rôle. Et donc, ils disent, Pierre ne se trouve pas derrière le garçon avec le short jaune, donc il faut chercher. Je trouve que c'est pas mal, je ne l'ai pas encore fait, hein. Ici, on a comment faire des glaces. Donc, on a la petite recette
Des glaces, super sympa. La douche froide. Quelques secondes pour une santé de fer. Oh, ben, sans moi. Pas de douche froide pour moi. Le club de foot. Bouger tous les jours. Donc là, ils disent comment faire des exercices juste avec une chaise. Ouais, je trouve que c'est vraiment pas mal. Ici, on a des petits macarons à découper. Savez-vous quel pays Pierre et moi avons visité? Donc là, elle raconte. Idée de création avec du vieux bois. Donc là, elle a fait un phare. Du bois flotté trouvé au Danemark. Ici, c'est super joli. Là, on a comment faire des petites choses. Petit bateau fabriqué avec du papier de récup et des bouchons en liège. Et des coquilles de noix. Et ici, on a plantes dans des mini pots en liège. Vous voyez, elle a... je trouve ça vraiment bien. En fait, c'est un cahier créatif, on va dire, hein. Je vous l'avais déjà présenté le mois dernier, mais là, celui-là, je le trouve vraiment bien. C'est spécial vacances, il est génial. Donc ici, on a avec du carton, faire des petites choses avec du carton. Donc là, il y a appareil photo, ordinateur, enfin, la petite guitare et tout. Je trouve ça vraiment bien. Ici, il y a encore un jeu des 7 différences, hein. Enfin, il y a 10 différences. Voici ma photo et voici la photo de Pierre. Donc il va falloir retrouver les différences. Création colorée, donc ça c'est tout en porcelaine. Enfin, je pense que c'est de la porcelaine. Céramique. Voilà, des petites choses en céramique. C'est super joli, les petits oiseaux là. Voilà, donc c'est écrit ici. Abonnement annuel de 8 numéros, 87,60 euros. Et vous recevez 3 serviettes gaufrées d'une valeur de 39,95 euros. C'est bien ce que j'avais lu. Vous voyez, pour un abonnement d'un an à Daphné Diary. Donc ça, c'est super. Quand on a un petit cadeau, ça fait toujours plaisir. Ici, on a la photo parfaite. Elle explique comment faire la photo parfaite. Alors là, je n'ai pas décollé. Donc, dans le journal d'une de nos lectrices, Flower Power. Montre un petit peu ce qu'on peut trouver. Le courrier des amis. Livret en papier. Pour faire un petit carnet de notes en papier avec du pliage, des ciseaux. Ici, on a Tiny House. C'est super joli. Très nature. Un endroit agréable pour se reposer. Ah ouais, j'adore cette déco comme ceci. Avec les petites LED là dans le spa, dans la douche. C'est super joli. Que voulez-vous boire? Donc là, pareil, il y a le mojito. Le gin tonic, ouais, c'est sympa. Journal intime, donc là on peut écrire des petites choses. La loi de l'attraction. Esprit et réflexion. Ici on a décoré une vieille commode avec de la mosaïque. Matériel nécessaire. Vieille commode, morceaux de carreau et de vaisselle, marteau, pince, bassine, peigne à colle, eau, colle à carrelage, joint de carrelage, éponge, chiffon sec. Ici on a de très bonnes pizzas qui donnent vraiment envie. Alors j'arrête parce que j'ai faim. La cabane perchée de Daphné et la maison de plage de Pierre. Donc là, c'est tout fait en petits bâtonnets de bois, bâtonnets de glace et petits pics. C'est génial. Franchement, vacances, faire le plein de souvenirs, Italie. Donc ils disent, les vacances est bénéfique pour le couple. Ça, c'est en Suisse, village de Suisse. Le taboulé. Ça, j'adore ça, l'été. C'est super bon du taboulé. Donc les étiquettes de valise que je vous disais, la valise elle est vraiment magnifique. Le camping glamour. Jeu de recherche. Saurez-vous retrouver de quelle page ces fragments proviennent? Ah, c'est sympa. Ce n'est pas facile, mais prenez votre temps, vous allez voir que c'est très relaxant. Faut trouver d'où proviennent les images, de quelle page. Rire, pleurer, donc là c'est pas mal pour Tiziano, ça je devrais lui montrer. Les expressions faciales. Chantal raconte. Donc là, on a une créatrice avec à partir de coquille d'huître ou coquille Saint-Jacques. Cornet de glace dans un emballage créatif. Découper des morceaux. Donc là, il y a un poster. Je n'ai pas regardé et j'ai pas envie de le détacher. Ah bon, je ne savais pas. Donc là, il marque contrefaçon, espèce animale, art, machin. Donc ça, c'est des choses à lire pour savoir. Théâtre, fabriquer son propre théâtre de marionnettes. Aujourd'hui, c'est vous la styliste. À vous de colorier les vêtements de ces gentlemen. Économiser l'eau. Alors ça, ils en parlent à la télé
sans cesse, donc ça on lira tranquillement. Ah, j'adore les vieilles affiches comme ça, je trouve ça très joli. Des petits lampions à réaliser aussi. Summertime. Elles sont très belles. Idée de lecture, donc là elle donne des idées de livres à lire. Très jolie l'illustration là. Et on arrive à la fin, donc le prochain Daphné Diary paraîtra le 22 août. Voilà pour cette présentation du magazine Daphné Diary. Donc voilà, je suis vraiment très contente de l'avoir reçue. Les petites serviettes vont être géniales, ça je vais les mettre dans ma valise quand je vais partir en vacances, parce que oui, je vais partir en vacances, mais je ne vous en dis pas plus, vous n'en saurez pas plus, voilà. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.